Bonjour la team Braqueur Assis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les deux méthodes pour tricher sur le jeu Timble avec un téléphone Android. Voilà, donc pour les iPhone, ça ne marchera pas. Voilà, donc là je me trouve sur l'application Lunebet, ne vous inquiétez surtout pas, c'est identique à Xbet. Voilà, la même stratégie peut marcher sur Xbet et sur Lunebet, Betwinner et les autres bookmakers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Timble, je vais vous le montrer tout de suite. Donc arrivé sur Money, vous allez cliquer sur Plus, voilà, sur la section Easy Game plus précisément. Là vous allez défiler juste en bas. Comme ça, et là vous allez trouver le jeu Timble qui est là. Voici le jeu Timble. Donc la stratégie qu'on va faire ici, c'est très simple. On va essayer de rendre les gobelets, voilà, dès que ça commence à tourner on va le faire très lent, voilà, ce qui va nous permettre de savoir où se trouve exactement la boule. Voilà, donc ici regardez, je vais changer, je vais mettre sur deux boules et là je vais passer sur une mise de 2000 francs pour vous expliquer. Donc regardez ici, si ça débute normalement, regardez, il y a deux boules. Donc ça va commencer à tourner, au fur et à mesure que ça tourne, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus rapide. Et là, vous allez vous tromper, vous n'allez pas savoir où se trouvent exactement les deux boules. Voilà, à moins que vous choisissiez par hasard, comme ça, et là c'est gagné. Donc je vais vous montrer comment la rendre beaucoup plus rapide, beaucoup plus lent du moins, ce qui va vous permettre de distinguer exactement où se trouve la boule. Que vous choisissez les deux ou un seul boule, ça va passer. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, ce qui va vous permettre dès que ce soit une nouvelle vidéo qui peut même être beaucoup plus intéressant que celui-ci. Vous allez recevoir une notification. Et si vous êtes encore de bonne humeur, n'hésitez pas à me laisser un petit like sur la vidéo. Ça va permettre à YouTube de montrer cette vidéo davantage à beaucoup plus de parieurs. Voilà. Donc, si vous vous trouvez sur un téléphone Android, que ça soit Tecno, Samsung, c'est pareil. Voilà, ça va marcher. Il vous suffit tout simplement d'aller sur votre paramètre. Alors, arrivé sur votre paramètre, pour ceux qui ont des Tecno, sur tous les marques, bien évidemment, il vous suffit tout simplement de cliquer sur mon téléphone là. Voilà, mon téléphone. Puis là, vous allez défiler juste un peu en bas et vous allez trouver numéro de bulle. Vous allez chercher numéro de bulle. Puis on va cliquer 4 fois dessus pour amener le développeur. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, le développeur est activé maintenant. Puis là, je vais défiler juste un peu en bas et vous allez partir sur système. Voilà, système comme ça. Arrivé sur système, vous allez trouver en bas option pour les développeurs. Donc l'option est activée, on clique dessus. Voilà, donc arrivé ici, vous allez défiler juste un peu en bas. Voilà, comme ça, jusqu'à trouver SL animation fenêtre. Donc vous allez cliquer dessus une fois, puis là sélectionner sur celui qui est en bas, SL d'animation x10, on sélectionne, puis aussi l'autre SL transition x10 aussi, même chose, et aussi SL durée animation x10 aussi. Donc vous pouvez voir que ça commence déjà à devenir très 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 lent. Voilà, c'est bon, on a activé les trois. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez venir après la remettre à x1. Là voilà, je vais essayer de repartir sur l'application. Regardez, là je me trouve maintenant sur l'application. Voilà le jeu Timble. Donc ici je vais choisir la boule numéro 1. Voilà, c'est déjà sélectionné la boule 1, comme vous pouvez le voir. Je passe sur une mise de 20 000 francs. Voilà, donc regardez, voici la boule. Donc ici on va pouvoir savoir où se trouve la boule très facilement. Donc dès que ça commence à tourner, vous allez voir que vous pourrez identifier où se trouve la boule. Voilà, voilà. Voilà, il se trouve au milieu. Maintenant ça change, il se trouve ici.
ça reste toujours intact. Là, ça change de côté. Ici. Voilà, ça revient ici. Ça retourne là. Ça reste toujours intact. Voilà, de ce côté aussi à gauche. Ça reste intact. Ça revient à droite. Ça revient à gauche. À droite. À gauche. À droite. Au milieu. À droite. À gauche. Voilà, donc ne lâchez pas ça. Voilà, au milieu. Au milieu. Voilà, voilà. Donc j'ai bien suivi, même si que ça a pu faire un peu rapide, mais j'ai pu le trouver, ça reste là intact. Voilà. Donc ici c'est moins rapide normalement. Vous devrez ça doit être beaucoup plus facile de trouver où se trouve là. Vous le regardez. Là j'ai pu l'identifier. C'est très facile. Donc j'ai passé de 20 000 francs à 58 200 francs. Si vous êtes vraiment concentré, vous allez pouvoir savoir exactement où se trouve la boule comme moi je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça c'est la stratégie numéro 1. Puis je peux retourner sur le développeur pour remettre les paramètres dans la normale. Voilà, comme ça. Voilà. Et là c'est bon, voilà, là je viens de remettre les paramètres normaux. Donc pour ceux qui veulent utiliser l'application LeanBird comme moi, voilà, vous pouvez télécharger l'appel, le lien se trouve sur la description de la vidéo. Voilà, le code promo c'est 46 dinero, ça marche sur LeanBird et sur ICBird aussi. Donc comme je venais tout justement de vous le dire, les deux applications sont presque les mêmes. Voilà, il n'y a aucune possibilité pour que vous ne parveniez pas à comprendre les options qu'il vous propose. C'est la même logique que sur ICBL. Donc l'autre stratégie c'est d'enregistrer le téléphone. Donc pour là je suis en train de l'enregistrer, je ne pourrais pas l'enregistrer encore, donc je vais prendre une autre téléphone pour l'enregistrement. Après je vais l'envoyer pour vous montrer une application qui peut faire la modification. Donc là je vais choisir les deux boules. Alors là c'est bon, je vais faire la mise en même temps que l'enregistrement. Voilà, une mise de 200 francs. Voilà les gars, l'enregistrement vient d'être terminé. Puis je vais l'envoyer sur ce téléphone et je vais mettre ça en pause pour voir exactement où se trouve la boule. Donc maintenant je me trouve là sur l'application Zunder, puis je vais essayer d'envoyer le fichier. Donc là c'est bon, c'est connecté, j'envoie la vidéo. Voilà, voici la vidéo. Donc c'est bon, je viens de voir la vidéo. Puis on va partir sur InShot. Voilà, donc l'app est disponible sur Android comme sur iPhone aussi. Voilà, je vais vous montrer l'app. Voici l'app InShot. Vous pouvez le tester sur Play Store ou sur App Store. Là, voici InShot. Puis vous allez venir sur vidéo ici. Vidéo. Donc vous allez venir sur Croc là. Puis je vais essayer de changer la position de cette vidéo. Essayons pour voir. Je pense bien que c'est bloqué sur cette position là. Normalement je pourrais la changer de côté. Je pense bien que j'arrive pas à changer ça de côté, donc vous allez essayer de regarder ça à l'envers.
vous devez vous montrer exactement la vitesse. Moi, je vais essayer de regarder ça à l'envers pour essayer de voir, vu que j'arrive pas à tourner l'écran. Voilà, donc ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez venir sur la vitesse ici, la vitesse, vous cliquez dessus, puis là vous pourrez voir que c'est à 1,000 là où se trouve exactement le point. Donc on va ramener ça jusqu'à 0,2 max. Voilà, là comme vous pouvez le voir, c'est à 0,2. Donc vous cliquez sur accepter et regardez. Donc vous pouvez regarder à l'envers. Donc je vais la remettre à 0, je vais couper le son. Voilà, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Donc vous pouvez la regarder à l'envers. Voici exactement les deux boules. Voilà, je suis en train de voir les boules. Il y a un ici, celui qui est l'autre, c'est au milieu. Voilà. Donc je vais me concentrer sur une seule boule, vous aussi. Voilà, ça vient à droite, au milieu. À droite, au milieu, à droite, à gauche. Voilà. Alors là les gars, la boule se trouve au milieu. Voilà, ça se trouve au milieu, exactement. Voilà, vous avez suivi vous-même en live. Donc ça va être très compliqué pour que vous parveniez à la regarder normalement, vu que j'ai pris la vidéo sur une autre téléphone. On va retourner sur l'application Linbet. Vous pourrez faire l'enregistrement sur votre téléphone. Voilà, vu que moi exactement j'ai pas pu le faire car je suis en train d'enregistrer la vidéo en ce moment. Je pense que je ne me suis pas connecté, la wifi s'est désactivée. Donc je vais essayer de me reconnecter encore une fois. Alors là c'est bon, je me suis connecté. D'après ce que j'ai pu voir, je pense que ça se trouve sur celui qui est au milieu. Voilà, ici au milieu. Donc pour l'enregistrement, je pense bien que celui du téléphone est beaucoup plus visible que celui de l'application. Il y a peut-être d'autres applications qui peuvent faire mieux qu'une sorte, voilà, beaucoup plus ralenti. Si vous connaissez ces applications, vous pourrez me le dire sur les commentaires ou même vous pourrez les utiliser. Voilà, donc moi je pense que ça se trouve sur celui qui est au milieu. J'ai pas bien suivi, voilà, là c'est bon. Donc c'est les deux boules. Pour un seul boule, je vous conseille de prendre un téléphone Android, que ça soit Samsung, Tecno ou les autres marques, ça va marcher très bien. Alors le code promo bonus qui peut vous permettre d'avoir le bonus de 200% que vous aurez exactement dès votre premier dépôt, que ça soit sur XTBet ou sur Linbet. Le code promo c'est 46 dinero, ça marche sur les deux bookmakers.